Sors de là, t'as un train qui arrive. Bon, t'as dit, c'était le 4532. J'en profite pendant 10 minutes et après je m'en vais. Eh ouais, j'arrive chez moi. Là, je suis chez moi là. Par contre, faudrait que je te montre une bourde. 12e étage dans une gare SNCF, c'est normal. 12e étage. Deuxième étage. Et quand on le fait descendre, 13e étage. C'est le dernier train. Après, il y avait, un de supprimé. Fuck. 18h43. Attends, il est quoi? Il est 34. Il est 34, mais il y a un train qui se poursuit derrière, je comprends rien. C'est chelou leur truc, hein. Enfin bref. Restons vigilants ensemble. Madame, monsieur, vous le savez, nous sommes en plan vigile pirate renforcé. Chacun à notre mesure, premier acteur de notre sécurité et aussi de celle des personnes qui nous entourent. Veillons sur nos effets personnels et signalons à un agent en gare tout objet ou situation semblant suspecte. Les numéros d'alerte SNCF sont par téléphone le 3117 et par SMS le 3117-7. Notez-les. Merci madame, c'est normal, hein. Toujours la même chose. Ah, tous les feux sont à l'orange. Il y en a un qui est au vert. Il est 18h35 et bien je vous annonce, vous êtes en gare de Survilliers-Fosses, que votre train initialement prévu pour Aurillac-Ville sera direct jusqu'à Goussainville, comme je vous le disais tout à l'heure, pour Survilliers-Fosses, Louvre et Lénoux. Sachez que votre prochain train pour Corbeil-Essonne partira de la gare d'Aurillac-Ville à 18h40. Notez également qu'en gare de Villiers-le-Bel, à la voie de votre train est à destination de Melun, il prend son départ. Suivra un prochain départ de la voie B à 18h40 de Villiers-le-Bel. Un départ pour Corbeil-Essonne à 18h40 de la voie B. Un train pour Corbeil-Essonne est aux abords de Pierre-Fixin et un autre dans le secteur de Saint-Denis. Dans l'autre sens, votre train pour Aurillac-Ville est en gare de Stade de France. Notez qu'un train pour Goussainville est en gare de Saint-Denis. Madame, monsieur, vous le constatez, le trafic est ralenti dans les deux sens de circulation jusqu'à 19h entre Aurillac-Ville et Villeneuve-Saint-Georges. Dans les deux sens, des modifications de parcours et des suppressions sont en cours à cause d'un signal d'alarme déclenché de façon malveillante tout à l'heure en gare de Saint-Denis. Besoin d'en savoir plus, je reviendrai à vous puisque je vous accompagne jusqu'à 22h. N'hésitez pas à consulter l'application Île-de-France Mobilité. Le site francilien.com ou l'assistant SNCF afin d'en savoir. Oh my god! Je crois que t'as tout suivi. Enfin, je crois que vous avez tout suivi.
La 20681. 19 février 1993, première rénovation, mai 2007. Donc déjà c'est ça. Ah, il y a 1009 celui-là. Oh la chance! Donc ça c'est fait. D'ailleurs pour la bourde, 13e étage, on est au rez-de-chaussée, je vous rappelle. Hein. Rez-de-chaussée et là on me voit 13e étage. Une gare SNCF au 13e étage, ça n'existe pas. Alors aucun, mais même pas aucune gare SNCF ne comporte de 13e étage. Donc encore pire. Voilà, voilà. Bon, c'est pas tout, mais je me casse. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ouais, super. Wow, il n'y a pas cette porte de merde. Étage 1, ouverture porte arrière. Ah ouais, une minute, hein. Ça fonce. Le trafic est normal. Salut la compagnie, je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à dimanche ou à lundi.